Señor ministro, queridos amigos de Pérou et de Suisse, merci beaucoup pour ces quelques mots de bienvenue que vous venez de nous adresser. En fait, je suis au Pérou depuis 2 jours et j'ai déjà l'impression d'avoir passé plusieurs semaines parce qu'on a fait tellement de choses, on a parlé de tellement de projets et on a échangé tellement d'idées que j'arrive pas à croire qu'il n'y a que 2 jours qui se sont écoulés depuis hier. On parlait beaucoup de changement de climat. En tout cas, le climat humain, il est très stable et très positif au Pérou. Et je vous remercie de votre gentillesse et de votre ouverture d'esprit. J'aimerais vous dire aussi que l'une des grandes priorités que nous avons fixées pour la politique internationale et la coopération internationale, c'est précisément l'environnement. Et au fond, on se rencontre maintenant seulement pour discuter d'environnement, mais c'est vraiment le sujet, l'un des sujets principaux qui a été utilisé et discuté hier déjà avec vos collègues du gouvernement. Et j'aimerais ici simplement redire la volonté de la Suisse de s'engager fortement et plus que par le passé encore dans la collaboration et coopération internationale relative aux sujets environnementaux, tout spécialement les grands défis liés à l'eau et au changement climatique. Et dans ce sens-là, je suis très heureux de pouvoir maintenant écouter davantage sur le projet que vous allez nous présenter. J'ai pris note de ce que vous avez dit sur les éléments qui rapprochent le Pérou et la Suisse, et en particulier sur les montagnes. Mais je dois dire que c'est la première fois, je crois, dans mes voyages, que je suis dans un pays qui a des montagnes plus hautes que les montagnes suisses. Et ça m'impressionne beaucoup, parce que c'est des montagnes vraiment fantastiques. Et en plus de cela, il y a beaucoup de points communs, je crois, dans l'approche des grands défis globaux dont on vient de parler, dont on va parler. Je me réjouis de pouvoir discuter avec vous également, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, des questions liées à la coopération ou collaboration multilatérale dans le domaine de l'environnement. Je crois que ces contacts entre nos pays sont importants pour cela. Alors merci beaucoup encore une fois de votre présence, merci beaucoup de ces projets et de les partager avec nous.